êtes même pas surpris que je ramène ma caméra, quoi. Je me disais, non, putain, il a enfin lâché sa cam avec son trépied pourri que Thomas a niqué, c'est pour ça qu'il y a encore de la... Non. C'est moi qui l'ai niqué. Non, j'ai niqué le trépied, t'as niqué la caméra. Les Tuileries, le mec a touché le trépied 3 secondes après. Attends, je vais taper son nom, tu vas voir. Tant que tu tapes que son nom et tant que tu tapes pas dedans. Ça m'empêche en rien de toucher le trépied. On dirait un dalmatien. Thibaut a eu beaucoup de rôles, notamment ouais. Celui dans la poubelle. Il sort. De voir Thomas viril pour une fois, c'est bizarre. Oh, ouais. J'aurais continué 5 secondes de plus, je vais les ronronner. Je vais lui faire ce que Moïse a fait avec la grande mère, mais sur cette espèce. Ça va s'écarter comme ça. Oh, on voit HO 6, 12, 12. Ah, bien. Ouais, pas mal quand même. Tout comment je connais Thomas M.Radic, je pense qu'entre le mois de janvier et le mois de juin, il va se passer sûrement beaucoup de choses avec d'autres minettes, avec son sourire de lapin, comme ça veut dire. C'est ça. S'il vous plaît, occupez. Bah, tu veux ça, les confidences, ça n'existe pas avec lui. Je peux dire quand même un truc à la caméra si tu veux. Si, moi je veux venir. Excusez-moi, mais j'irai plus vite à pied là, hein, parce que tout à l'heure, on m'avance pas comme t'es venu. Putain, j'ai oublié Anaïs dans le train. Ouais, tu m'as bien. En plus, tu peux me voir 1000 exemplaires et tout. Ce sera notre petit secret. Ah, donc, tu voulais que je te fasse quoi? Des voix off au piano? Des voix off au piano. On peut pas. Coucou, tu veux voir ma bite? Je suis décalé. Ah non, je plaisante. Il la connaît par cœur le texte. Benoît, je t'aime très fort. T'es comme un frère pour moi, tu vois. Bref, je vais m'arrêter là. Je le pose comme ça. Aha. Vous remarquerez tous, bien tous, qu'il s'est mis en fond d'écran. Oh, le mec, il fait un effet infini. Il a mis lui et Benoît en fond d'écran. Pourquoi Benoît? On s'en doute. Parce que j'ai pas de photo avec mon Thomas. Mais bien sûr, pour la peine, je mets ça sur Vogel. Là, on peut voir que j'ai niqué deux paquets de chips, Pringles. Alors, voilà. Moi tout seul. Alors non, ce n'est pas Natacha. Ouais, on va se calmer quand même. J'ai à peine tapé dedans et celui-là, il est pas ouvert. Par contre, c'est moi qui ai niqué le Pepsi. Bon, pas beaucoup, mais quand même. Thomas a bu cette bouteille de Coca. Que j'en ai foutu par terre aussi. Oups. Thomas, avec Ulysse, on reste souvent les derniers à discuter. Et à un moment donné, ils parlaient chacun et Ulysse a voulu que je lui raconte un truc sur mon ex. Il s'est foutu de ma gueule pendant une demi-heure même ça. D'accord. Mais je sais pas, foutu de ta gueule. Juste non, à peine. J'ai une réaction, c'est vrai, faut le dire, ok. C'est juste que moi, quand quelque chose est tellement est assez horrible, j'ai ma seule réaction va être de rigoler parce que je trouve que c'est ignoble au point d'en rire. Tu veux pas. Enfin, je sais pas, c'est. C'est genre, tu te dis putain, mais c'est pas vrai, enfin, c'est ça, c'est moi, c'est un rire, voilà, c'est un rire nerveux, c'est pas un rire. C'est cathartique, voilà. En parallèle avec le malaise. Voilà, c'est ça. C'est... On part ton bras avec Elio, vous êtes pas si. Franchement, vous êtes pas différent. Non, bah, juste tu rigoles. Après, on va pas non plus truquer, il est blanc, je vais pas le rendre rouge. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Il y a deux pénis, je parle entre eux et tout, et puis t'as le premier qui fait. Eh, hey, Jean-Charles, j'ai un dîner dans 35 minutes, si tu veux, on peut y aller, comme ça. Tu manges avec moi, puis t'as le deuxième qui fait ah non, mais je suis désolé parce qu'il passe un casting porno, les deux pénis. Et là, t'as le deuxième qui fait ah non, je suis désolé, je peux pas, j'ai un oral dans 10 minutes. Ouais, mais attends, tu veux te calmer là? Non, on fait pas ça à la caméra. Top Gun dans le rôle de Sébastien Patoche. C'est qui? Quelque chose. Perruque. On me dit que je ressemble des fois des mecs de ma classe, MacGyver. Un MacGyver? Oui, parce que MacGyver. Même avec une petite ficelle, il s'en sort quand même bien. Voilà. C'est pas ce qui se cache là-dessus. Comme sur Beat Street. Hey, Benoît, à ton avis, lequel de nous a la plus longue mèche? Quand je cache ma queue, c'est ça. Ah, pardon. Donc il faudrait que je prenne l'arbre queue, pour le cacher. Ça me cache une seule de la moitié de mes deux couilles. Alors t'imagines bien que Thomas, lui, c'est plutôt ça. Oh, t'as pas mal là quand tu fais ça. Je crois qu'il a un peu de sperme sur la joue. Oh, oh, mais il va tuer. Ah, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec lui. C'est totalement irréel et absurdement buccal. Sinon, je peux faire un truc très cool. Ça changerait. Ouais. Hein. Oh. Bon, par contre, je vais le poser carrément parce que j'en ai marre. Et puis ton clavier, il prend de la place. Tu m'excuseras.
Là, je suis en train de niquer ton micro. Alors, là, on me filme en train de foutre le bordel. Je peux pas faire grand chose sur ce piano. Oups. Ton clavier il est petit, tu vois, les touches sont microscopiques, donc moi qui ai l'habitude de faire des grands gestes et tout, bah là ça le fait pas trop. Mais sinon il est très mignon. Voix Benoît, c'est ça? Ah non, ça c'est lui qui doit le faire. On va cacher la lumière. Ça marche? Ah non, merde. N'empêche que j'ai l'air con là d'un coup. Mais c'est dossier. Si tu montes du dossier sur Facebook, bah autant que tu remontes mes trous de nez. Oh, c'est vrai. Comme j'ai l'habitude de faire. Incroyable. Et donc, devant tout le monde, je vais me resservir de l'oasis que Seb m'a très gentil. Oh putain. Et regardez. Tous, j'espère que tu montreras. Alors, Seb a une bouteille, enfin une poubelle dans sa chambre. Devinez ce qu'il y a dedans. Les préservatifs. Non, Seb, il fait pas ce genre de choses. Et ben, en fait, il y a des bouchons. Que des bouchons de bouteilles. On va savoir pourquoi. Pour les donner à la maîtresse. Elle a demandé qu'on rapporte des bouchons. C'est vrai qu'avec 80 canettes, tu pouvais faire un vélo. Bah dis donc, avec toi, il y a des vélos tous les jours. Alors. Je bois pas tant que ça. Hein. Non, en effet. Oh merde, c'est pas comme si j'avais pioché encore un gâteau. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il foutait aussi bon? Après, il se plaint que j'ai de la bedonne. J'ai passé un bon moment, mais je le trouve bon. Mais pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Il nous fait chier celui-là. Ouais, c'est Patrick. C'est à Elio, à Ulysse. C'est Patrick. Allô, oui, Patrick. Si quelqu'un a noté, si Patrick me donne le numéro, quelqu'un note, s'il vous plaît. Oui, mais okay. Non. Et Patrick, dis-toi que je suis avec des gens de ma troupe, justement. Avec Ulysse et Elio. Je te remercie infiniment, Patrick. Tu es au courant, si t'en as besoin, tu me le dis. Nous. Un verre, on verra bien. Bah voilà, ouais, carrément, ouais. Arrange-toi avec Benoît. D'accord. Bonne journée, bon courage à tous. Merci, toi aussi. Au revoir. C'était Patrick Poivet. C'est Patrick Poivet. Vous êtes au courant que ça tourne et vous êtes en train de vous afficher. Mon dieu. J'ai une grande mouche, t'as vu? Je peux mettre mon poing dans ma bouche. Ah non, on va pas le montrer ça. Oh, oh la vache. 30 kilos de puissance. Il remet sa main dans là, la poche. Là en fait je suis en train d'essuyer à moitié là. Ah elle doit être... Je bavais pas, c'est bon. Y a aucun problème là-dessus. Une fois, j'ai vu un Renoir sur une vidéo, il a mis une canette dans sa bouche. Une canette, il a mis la canette. Un verre, un pot de verre dans le cul. Il a ouvert One man, one jar. Il a refermé l'anus et le pot de verre s'est éclaté dans ses fesses. Il y avait des bouts de verre partout. Et ça a pissé le sang. À la fois, il avait vu la même. Il retire les bouts de verre comme ça. Ah, il... c'est dégueulasse. Il se retire les bouts de verre. Ça devait être encore un mec de la famille Raving. Non, je vois pas de quoi il parle. Comme si mon frère avait des cicatrices sur les fesses. Ça c'est les menus Royal Bacon qui passent pas. Si tu fermes les yeux, je t'imite un enfant qui vient de naître. Tu l'as déjà fait ça? Pardon, excuse-moi, est-ce que je te dérange quand tu baises? Non, bon alors. Oups. Oh putain! Mais non, il a rien annulé. Et je peux voir que mon nez c'est un vrai triangle rectangle. Mais en fait, il est vachement long. Ce qui fait que là, il y a l'hypoténuse du triangle. Et en fait, ça forme un angle droit ici, par là, parce que ça fait. Wouch! 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 Enfin bref, je suis en train de me clasher moi-même, mais comme un con. C'est ça, tu m'aides pas, hein, ça? J'avais pas de vidéo compromettante sur Thomas maintenant, j'en ai plein! Oh, tu vas te calmer! Tout ce que tu peux faire, toi, c'est couper ce que je viens de dire. Tout à fait! Donc, tu as compris, c'est bien! T'as compris les choix du montage. C'est quoi un aparté? Mais oui, il est sur Ron! Ah mais ça aussi tu vas garder là, parce que toi, on a vu là dans les making of, dans les deux trucs là. Ron! Attends. Mick! Ron! Et je vais finir par le mettre là, pour que ça sert à quelque chose. Oui, il est sur Ron, c'est parfait. Et il est sur Ron Power. Bah, c'est très bien alors. C'est On, tu vois. Oui, mais je vais quand même vérifier. Très bien. C'est fou, c'est un truc de dingue. Très bien. On. T'as vu, c'est On. Non, mais je suis pas non plus couillon. C'est bon. Non, mais Seb. Non, c'est bon. Putain, confiance. C'est pas confiance, c'est juste vérifier. Non, aucune confiance. Toujours même Maxime, il en avait marre. On. Parle-nous, Seb. Parle-nous de Maxime. Maxime. Je savais pas trop de qui c'était avant. Maintenant, grâce à Seb et Benoît, je sais un peu plus qui il est.